Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, bienvenue sous mon joug, je suis votre roi noob, et aujourd'hui on se retrouve sur Pharaon, oui, un très vieux jeu, je répète, Pharaon, donc regardez la petite intro là qui dure quelques secondes, et on va se retrouver tout de suite. Donc apparemment tu es toujours là, apparemment tu veux vraiment voir ce que c'est que Pharaon, alors tu veux vraiment me voir jouer à Pharaon, exécuter, voilà, on va prendre du stupid, on va rejouer l'histoire, hop 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 hop. Non, on ne quitte pas le royaume, on va juste rejouer la mission. Ok, donc on va devoir construire un grenier et le remplir de figues. Étant le roi noob, tu sais quoi? Et ben tout simplement, hop, vitesse de jeu, voilà, on va passer très très bas, au ralenti. Juste le temps que je m'installe. Donc, moi, j'ai une technique bien précise. C'est que je fais des quartiers de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Une petite encoche. Bim. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, bim. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, vu que je suis le roi noob, 2, 3, 4, 5 et 6, et ben, je refuse de prendre le village pharaon, bien sûr, entre roi et pharaon, c'est totalement différent, mais on va dire que c'est pareil, je refuse de prendre un village qui n'a aucun développement. Donc, tout simplement, on va dire que ça a été vu dans le contrat, je prends un village qui est déjà légèrement développé, enfin plutôt, je me le développe. Ok, tac, tac, tac. Voilà, on va se faire nos petits quartiers tranquillou. Je sais, c'est une façon bien à moi de faire ça. Donc on va se mettre des points d'eau. Bim. Bam. Boum. Et bim. Hop. Les quartiers, on va les couper. Hop, on les coupe. C'est des petites routes en fait, voilà. Tac, entre les trucs. Pour éviter qu'il y ait trop de chemin à faire. Pour les secouristes ou autre. On va se faire quoi? On va se faire des casernes de pompiers. Bah oui, hein. Non. Hop, retour. On va se faire des casernes de pompiers. Bah oui, il faut éviter que les habitations, tout ça, prennent feu, tu vois. Ok. On s'en est fait plusieurs. Des casernes études d'architectes. Pourquoi? Bah tout simplement pour éviter que ça s'écroule. Et oui, sans architectes, tout s'écroule. Rien ne tient en place. Bon, on s'en est fait plusieurs. Des postes de police également. Bah oui, on va éviter d'avoir trop de criminels chez nous. On va essayer de, voilà, faire ça. Palais du village. Bah oui, mon palais à moi. Bim bam boum, point d'eau c'est fait. Des étals, et bah oui, parce que je sens que le chômage va être à son plus haut niveau. Donc il va falloir amuser un peu la galerie. On va faire aussi une école de jonglerie. Et voilà, on a un petit dieu. Sanctuaire Osiris. Bim, des petits sanctuaires, voilà, ici. Et des grands temples. Et des grands, oula, je perds ma voix. Et des grands temples à l'extérieur des quartiers. Un temple là, et un temple là, et un temple là. Une fois que c'est fait, voilà, la population peut être accueillie. Donc, normalement, toute la ligne du milieu va se barrer. Enfin, presque. Tout ce qui est trop loin des routes va se barrer. Allez, hop, on se fait plein de trucs. Ah oui, on a juste oublié de faire un truc. La bouffe, les gars, la bouffe. Ça, on vient du coup, hop. C'est ce qu'on appelle les bazars, ce qui va nous apporter de la bouffe, de la nourriture. Bouffer une voiture. Manque d'argent, oui, déjà pour commencer je manque déjà d'argent, donc des greniers aussi, faut pas les oublier ceux-là. Des fermes, exploitation de figues, c'est notre principal objectif, ne l'oublions pas. 3 1 2 3, 1 2 3, hop, un d'espace, 1 2 3. Allez, une route. Ah mince, 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 mince. Ça, j'ai foiré celle-là. Et toi, voilà, une route voilà, qui va jusque-là. Tac, l'exploitation jusque-là. Plus, voilà, ici qu'il fallait faire ta route. Ferme, exploitation de figues. Bah oui, la population aura besoin de bouffe. Tac, et qui va m'emmener directement jusqu'ici. On va se faire aussi des petits
Mais on peut se rien faire d'autre. Donc voilà, on va remettre option vitesse. On va la remettre à 90. Et oui, moi je ne joue qu'à 90 en vitesse. Voilà, toute la population va arriver. Donc là, hop, bazar. Bim. Donc là, on voit que tout ça s'est supprimé. C'est normal, on s'y attendait. C'est tout à fait normal. Donc, on laisse le temps à la population d'arriver. On va se laisser un petit espace carré de 4. Voilà, de libre. Là, on a des petits carrés de libre. On a deux greniers. On a des petits trucs qui arrivent. Oui, manque. C'était manque de main-d'œuvre. Et oui. Mais sauf qu'une fois que tout ce petit monde-là sera là, et ben ça va être l'inverse. Il y aura trop de main-d'œuvre. Donc on a fait un peu tout. Voilà ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Voilà, la population arrive. 58. Et là, on voit. Oh, il y a du monde là. Oh, il y a du monde. Allez, venez. Venez, mes petits villageois. Venez, venez, venez. Donc voilà, ce point d'eau, donc 2 sur 5, bah oui, on manque de main-d'œuvre. Et tu vois bientôt que la main-d'œuvre, on va pas la manquer, il y en aura trop, normalement. Allez, donc là, voilà, le petit porteur d'eau, voilà, pour éviter que les maisons, bâtiments, tout ça prennent feu. Voilà, eux, ils cherchent, voilà, des péons pour aller bosser. Voilà, donc là, on va sans doute avoir du personnel qui va aller bosser dans les figues. Les gens immigrent vers la cité. Donc les gens viennent dans ma cité. Population 290. Avec tout ça, j'espère qu'on va peut-être atteindre les 1000 sans problème. Voilà le petit drapeau pour dire que c'est occupé. C'est occupé, c'est occupé. Tout est occupé en fait. Bah, tous les postes sont... Oui, les revenus sont trop bas. Bah, j'ai aucun revenu, je le sais, je le sais. Et même, je me retrouvais dans la merde, je sens. Taux d'imposition 9%. Administration. Impôt. Bah non, il n'y a personne qui vient prélever l'impôt. Et ben on n'est pas prêt de gagner de l'argent. C'est normal. Donc un grenier à le remplir de figues. Donc voilà, il va falloir que ça se remplisse. Les gens viennent bosser et bim bim bim, on va dans les greniers remplir tout ça. C'est la théorie. Hein. Donc 500 habitants, bim. On va faire vitesse, on va le passer à 100 un court instant. Bâtiment détruit. Incendie dans la cité. C'était quoi? Un bazar. Là voilà, on a plein de population, mais on n'a pas de bouffe. Voilà, il y a eu la crue. Une petite faveur d'Osiris, la faveur. Ok, merci Osiris. Donc là, les gens vont sans doute venir ici. Allez les gars, faut aller bosser. Ah, si je ne fais pas de chantier. Chômage 60%. Voilà, je me suis fait le chantier. J'en arrive donc à malaria. Vitesse, on réduit la vitesse. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire des médecins et des pharmacies. Hop, on va se faire plusieurs médecins. Bim, on va se faire aussi plusieurs pharmacies. Et on va pas laisser les gens mourir quand même. On n'est pas aussi méchant que ça. Pas aussi méchant qu'on en a l'air. Pharmacie, malaria, oui je sais. Une autre pharmacie ici. La cité manque de main d'œuvre maintenant. Donc voilà, les champs, c'est fini. J'ai même pas eu le temps de ramener les trucs. 620 population, la population est heureuse. Tant mieux, c'est tout ce qu'on leur demande. Donc j'ai toujours mes 3 greniers. Allez, on va remonter la vitesse à 100%. Oui, malaria et encore de l'endettement. Moins 41, malaria encore. Que foutent mes médecins? Encore de la malaria. Option, vitesse, vas-y, on va redescendre légèrement la vitesse. Je peux pas faire de shadow ou de trucs comme ça. Je peux rien faire en fait. Ouais, je peux juste attendre. Ce serait bien, voilà. Tac, tac. Besoin d'accès à une route, on sait, on sait, on sait. Allez, on va aider à remplir de figues ce petit grenier. Le sentier, voilà. Là, tac, tac, tac. Moins 600 en sous-sous. 701 de population. Et là, il nous dit, voilà, besoin de main-d'oeuvre, malaria, malaria. Allez, vitesse, on va repasser à 100%. Hop, on peut voir l'état des cultures qui avance bien. Nous sommes en juin, juillet.
Ça va bientôt être la crue. 80%. Et on va voir, ils vont tous prendre leur chariot d'un coup. Et bim, bim, bim. Au grenier. On se faisait des greniers. Oui, je sais, j'ai déjà passé, mais quelques greniers de fait. Ok, 76% terminé. Allez, les gars, on se dépêche. 75, 93% fertile. Voilà, là, ils sont en train de ramasser tout ça. Ils se barrent tous avant l'arrivée de la crue. Ils vont tous remplir les greniers. Tiens, et l'industrie, nouvelle truc. Bon, on va pouvoir se faire des puits d'argile, mon pote. Oui, je sais que j'ai plus de sous. Comment tu veux que je récupère de l'argent aussi? Donc, tac, avec ça, on se fait des petites poteries. Bim, bam, boum. Et avec tout ça, on se fait aussi un petit entrepôt. Et ouais, je peux en faire d'autres. Embellissement, on peut toujours pas. Parce que là, on va se faire des jardins dans les emplacements de libre. Jardin quand on aura l'occasion. On va encore augmenter la vitesse. Remplir un entrepôt de poterie. Moins 2000. À moins 5000, je crois. On est dans le... voilà. Évolution. Voilà, 2000 habitants. Mais on peut toujours pas récupérer d'impôts. C'est un incendie, on s'en fout de ça. Maintenant, on s'en fout. Alors, on va se faire quoi? Embellissement, jardin, bim bam boum. Regardez, des jardins là. Sur toute la ligne, dans toutes les lignes qu'on a laissées exprès. Et ouais, c'est pratique, ça permet aux habitations de bien se développer. Plaza, embellissement, plaza, bim. Là, on peut en faire. Là, on peut en faire, donc du coup, on va pouvoir en faire une par une, tout le long. Vers le site. Oh là là. Malaria. Ok. On fait des plazas. Plus il y aura de plazas, plus les gens vont être heureux. Et mieux on va se développer en fait. Vous allez voir. Plus les maisons vont être belles, vont être grandes. C'est-à-dire que les gens sont heureux en fait. Par contre, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ah. Il y a eu un truc qui a pété. Je sais pas où c'est. Je sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Ça coûte 15 par place. Allez, hop. L'esthétique de la cité. Et relisez vos objectifs. Peut-être sans doute qu'il faut des belles maisons, j'imagine. Les trucs qui ont pété, là. Plus de solide. Ok, bah non. Victoire, mission accomplie. Les gars, c'était le roi Noob. Continuez. Tu sais quoi? Formidable. On écoute, on sait. Les citoyens commencent à vous considérer comme leurs bienfaiteurs et les cités voisines comptent également sur vous. Ok, niveau final de culture 10, niveau final de prospérité 0, niveau final de royaume 34, trésorerie finale moins 3400, oh là là, population totale 2200, mission terminée en 41, moins niveau inférieur normal, score moins 2300, bah oui, à cause de la trésorerie, bravo, vous avez battu votre record, clic droit pour continuer, et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, faire tout ce que vous voulez, je vous dis merci, à une prochaine, c'était votre roi, le roi Noob. Allez, salut, salut !